L'épisode du jour, eh c'est une petite présentation. C'est celle du nouveau Scott Addict e-Ride 10, millésime 2021. Une petite bombe électrique motorisée avec le moteur mallet dans le moyeu arrière et avec une petite batterie intégrée. Allez, on vous en dit plus en images. À la fois discret et étincelant, ce nouvel Addict e-Ride est un concentré de savoir-faire et de technologie. Et en termes de vélo, au-delà des composants à disposition de toutes les marques, ce qui fait la différence d'un vélo à l'autre, c'est bien le cadre, à travers sa conception, sa géométrie, et pour le coup, ce Scott ne déroge pas à la règle, au contraire, l'assistance électrique le sublime et amplifie ses qualités naturelles. Un poste de pilotage intégré synchrose, comme ses cousins les Scott Addict RC. Pas une gaine, pas un fil ne dépasse. Pas de moteur pédalier mais un empattement court pour plus d'explosivité. Juste un petit bouton sur le haut du tube supérieur et un petit moteur moyeux mallet, le tout associé à une transmission Shimano Ultegra Disque DI2 avec plaquettes et disques ventilés de 160 mm à l'avant comme à l'arrière. Précision, ergonomie, efficacité, puissance au rendez-vous. Pour passer cette puissance au sol, une paire de pneus Schwalbe L1 One au flanc naturel. Version chambreur uniquement, ils sont montés sur une paire de roues Syncros Carbone Capita 1.0 en 40 mm, assemblées en Europe. Les pneus ont une section de 30 mm et c'est le maximum que le cadre puisse accepter. Adhérence, motricité, confort, distance d'arrêt réduite, parfait sur un électrique. Pour le reste des périphériques, Scott a fait confiance à Syncros. Sel, guidoline, tige de sel. On vous fera des tutos pour le montage du serrage de sel, mais également de la potence spécifique à ces familles Scotadict RC et Iride. E Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ce moteur mallet dans un autre épisode. Compact, plutôt très silencieux, il n'utilise ni capteur de puissance ou pression, mais analyse la vitesse et la différence de rotation entre corps de roue libre et moyeux. Ultra fluide et naturel à rouler, ce cadre embarque une batterie de 252Wh qui se recharge via une prise dissimulée sous un capot aimanté. La transmission Shimano Ultegra DI2 fonctionne sur sa propre batterie dissimulée dans le tube de selle. La prise USB pour la recharge est d'un embout de cintre synchrose côté droit. A noter que le serrage de roue arrière se fait via une clé plate de 17 mm. Une clé BTR de 8 mm. On fera un tuto démontage/remontage roue arrière à l'occasion. Notez également que l'enregistrement du vélo sur le site Scott est vivement conseillé, ainsi que sur l'application eBike Motion. Compte tenu que la batterie est dans le tube diagonal, vis de 8 mm maximum pour ne pas l'endommager. Et pour découvrir les trois modes d'assistance réglables de 1 à 100% via l'application. Sans oublier les étonnantes aptitudes en mode coupé, l'application, l'autonomie ou encore le montage de la batterie additionnelle pour passer la capacité totale à 460 Wh, il faudra aller visionner les épisodes dédiés sur notre chaîne. Comptez tout de même vingt-neuf euros pour ce petit bijou